ramène de l'eau. Oh merde, encore une prune. What the fuck. Caserne. Amis militaires, amis soldats, amis abonnés, bienvenue pour cette vidéo de dégustation de rations de combat en conditions de survie d'une durée de 24 heures. Et là, plus précisément, on a une ration de combat individuelle et réchauffable de l'armée française. Ouais, clairement, vous l'avez vu, j'ai changé d'endroit. Je vous le rappelle, j'habite dans le nord. À 9h du matin, on peut avoir un soleil bien brillant qui fait rayonner nos verts pâturages. Et à 10h30, un bon gros orage qui fait tout éclater. On se met tous à l'abri. Bref, trêve de blabla, il est temps de déguster cette ration qui a l'air bien savoureuse et surtout bien calorique. 3600 calories au compteur. Autant de calories, pas étonnant. Je vous le rappelle, on est en condition de survie. Notre ventre commence à gargouiller. On a envie de manger tout ce qui passe devant nous. Et du coup, on a beaucoup de calories pour tenir un maximum de jours. Et cette ration a été préparée pour tenir 24 heures. Alors avant de commencer les festivités et surtout de se péter le bide, bon clairement c'est vrai que c'est pas le but avec une ration de combat, mais je vais en profiter, j'ai l'avantage d'être chez moi dans mon petit confort, croyez-moi que je vais l'ingérer en entier. Première information, à consommer de préférence avant le 6 décembre 2021. On est en mars 2019, on a le temps de voir du pays avec cette ration de bouffe. Et clairement moi je me suis fait plaisir, on a ici des crevettes poulet à l'asiatique, salade mexicaine, des rillettes de maquereau en entrée, un potage, un dessert, des biscuits de campagne salés et sucrés, du café, du thé, du chocolat, nougat, pâte de fruits, barre énergie, une boisson isotonique en poudre, c'est-à-dire qu'on va rajouter de l'eau dessus afin qu'elle prenne vie et pour qu'on puisse enfin l'ingérer. Un peu comme une belle plante des campagnes de nos régions qui recherche désespérément son petit rayon de soleil afin de s'illuminer. Du chocolat à croquer, de la confiture, des mouchoirs serviettes si vous avez un bon gros rhume qui se transforme en rhinopharyngite, un kit de réchauffage pour se chauffer l'arrière-train lors de la rosée du matin, et 6 comprimés de purification d'eau pour bien s'hydrater son petit corps. Tout ce carton approuvé par l'OTAN. J'ai envie de vous dire, messieurs dames, procédons à la dégustation. Juste avant, une petite précision que je voulais vous rajouter en off. Les rations de combat françaises ont très bonne réputation par rapport à celles d'autres pays, de sorte qu'elles font l'objet d'un troc. En 2010, en Afghanistan, une ration de l'armée française pouvait s'échanger contre 5 rations américaines. Autant vous dire qu'on peut être très fier de notre beau pays, une fois de plus les amis. Ah, perdu un. Il semble que ma dernière photo n'ait pas amusé tout le monde. Bon, clairement, quand on voit ça, on se doute bien qu'on n'est pas chez Robuchon. Bon, premier condiment de cette série, un mix de muesli aux fruits rouges et au lait, idéal pour commencer la journée sur les chapeaux de roue. Roue circulaire, 27 pouces, taillée dans le silicone industriel, à la sueur de nos mains. Ça sent vachement bon en tout cas. Laissez reposer 5 minutes, ouais, c'est vrai qu'on a le temps. Elle est où la flotte? On n'a pas le temps d'attendre du tout 5 minutes, on va déguster immédiatement. Putain, c'est bon. On sent parfaitement le fruit rouge. Pour un produit déshydraté, c'est ultra qualitatif. Au suivant. On enchaîne avec les biscuits. Et ce qui est très fort avec ce petit paquet, c'est qu'on y trouve du salé, des céréales et du sucré. Pouvoir les bouffer à toute heure de la journée, c'est un pur régal. Dégustation du sucré. Non, c'est pas la folie, hein. Le salé. Ces mélanges de saveurs, c'est un vrai plaisir. Le salé, il y a un petit arrière-goût de mort au rat, donc pas terrible. 4 sur 10.
et le céréal. C'est le meilleur celui-là. 7 sur 10. Ouais, il est pas mal. Clairement, chers amis soldats, en cas de déprime, seul dans une forêt, rabattez-vous sur les biscuits céréales. Et clairement, si vous n'aimez pas les gâteaux secs, ils ont pensé à tout avec une version ultra chocolatée qui va faire réveiller toutes vos papilles dans votre bouche. Excellent pour le magnésium et contre la déprime, ils ont été futés les bougres. L'heure du midi est arrivée, il est temps de déguster un vrai plat, une belle salade mexicaine avec une belle photo qui met tout en valeur, ça donne sacrément envie. Oh l'odeur. Oh les pauvres soldats là. Ah oh, c'est infect, l'odeur elle est horrible. Tiens, avec la cuillère de muesli, ça va être sympa ça. Quoi? La pâté pour chien. T'as vu le ragoût? Encore une fois pas mauvais, l'odeur était insupportable, le goût est présent, un bon chili con carne à emporter partout avec vous. Au suivant. Bon, ça c'est tout ce qui est thé et café. Pour le plaisir des yeux, on va quand même l'ouvrir. Et je pense pas qu'il y ait grand chose de transcendant là-dedans. Du thé, du sel, du poivre, un autre sachet de thé si vous tombez subitement amoureux sur votre sentier, du café soluble lyophilisé 100% arabica. Je n'aime pas le café, je ne vais donc pas le tester. Non, tu n'en bois pas. Hein. Ah pourquoi? T'es hyper actif, t'es souvent. T'arrêtes jamais. Petit paquet de mouchoirs, ça fait jamais de mal. On va tester quand même. Fonctionne bien, j'en ai pas sur les doigts. Vous l'entendez tout comme moi, ça c'est l'ennemi qui se barre en courant. Il est temps de le rattraper, ce scélérat. Et heureusement, dans la raison de survie, ils ont pensé à tout. Une boisson énergisante est prévue dans le lot. Un peu comme celle du taureau rouge qui donne des ailes. On va tester ça. Pourquoi tu mets pas ton gobelet? Parce que je vais secouer. Avec le gobelet, ça... C'est dans le plafond. Bah tu mélanges avec une cuillère du coup. La couleur est fortement douteuse. Je vous rappelle que c'est la boisson avant de l'ingérer et non pas celle après l'avoir consommée. C'est pas folichon au niveau des sensations, mais c'est somme toute très buvable en apportant une bonne dose de sucre. On continue. Nougat aux fruits de la maison Chaberguillot. Ah ça c'est pas bon. Déjà que le nougat de base, on part pas sur des saveurs ultra appréciables. Mais alors là en plus avec du fruit dedans, on écarte tout de suite. Bon, avec tout ça, j'ai plus très faim. On doit encore prendre notre ration du soir. Une ration de 24 heures, je vous le rappelle, que je vais ingérer en une demi-heure. Parfait pour mon transit. C'est parti. Alors là, on a un crevette poulet à l'asiatique qu'on va devoir réchauffer. Et pour ça, on a un petit set de réchauffage prévu avec le colis. Les allumettes qui viennent de Paris directement. Water Purifying Tablet. Si je comprends bien la langue de Shakespeare, c'est pour que l'eau ne nous attaque pas directement le pancréas. Bon, il est temps de se faire chauffer tout ça. Et tu t'arrêtes quand d'être con, gros? Oh, ça sent la crevette. C'est à bouffer, ça, ou c'est un combustible? Ah non, c'est pas à manger. C'est ultra chimique. Ne refaites pas ça. Bon, allez, on va foutre le feu. On irait pas chercher quand même une pierre à mettre en dessous? Si on met le feu au studio, c'est pas ouf, quoi. Après quelques recherches sur Internet... Il faut en fait le plier pour en faire un petit réchaud. On a été chercher une brique pour ne pas cramer le studio. On dispose ça au milieu. On insère les deux combustibles. Et on fout le feu. Le petit feu de camp étant allumé, les crevettes de la maison Larzul vont passer à la casserole, c'est le cas de le dire. C'est bien foutu quand même ce truc, hein, quand t'es en survie.
T'as une cuisine complète qui est livrée avec, quoi. Le réchaud, tu le fais gagner sur Instagram ou pas? Oh, elle est belle celle-là. Oh! 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 Attends, on va éteindre le brasier, gros. Gros, t'as un feu de veillée, Mélo. Oh merde! Ramène de l'eau! C'était du Red Bull, prends du Red Bull. Mais non, ça va être dégueulasse! Clairement, je n'ai plus faim du tout. Mais bon, par souci d'ouverture et de refus de gâchis, on va s'empresser de découvrir tout ça. C'est chaud, c'est froid. Chaud en dessous, froid en haut, et pas mélangé. Viande, légumes et féculents. Un tout en un pour être au mieux de sa forme et repartir au combat. Génial cette ration de combat. Génial. La 20 sur 20. Ils ont pensé à tous les gars qui ont fait. Ils ont avancé de façon intelligente, régulière et organisée. Bravo à eux. Sur ce les amis, une très bonne soirée à vous. Dormez bien, rêvez bien, c'est important. Et surtout, n'oubliez pas de bien digérer. Ciao.